3. Je vous propose donc de commencer ce premier webinaire de 2021 consacré à l'ISR. C'est donc le premier webinaire d'une série de conférences que nous allons réaliser en ligne sur le cycle de l'impact. Donc cette première session sera consacrée à une vision générale sur ce qu'est l'impact, comment peut-on classifier des fonds en fonction de leur impact et comment peut-on dire qu'un fonds contribue aux objectifs du développement durable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire par le petit volet de chat conversation ou à demander la parole en levant la main. Je serai ravie d'y répondre. Avant tout, je me présente. Je suis Claire Berthier, je suis responsable ISR chez Trust Team Finance et également co-gérante du fonds Trust Team Rock Europe. L'impact. Un instant. Hop, voilà. Donc, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc l'impact, l'ISR, les clients. Donc nous allons faire cette présentation sur trois parties. Tout d'abord, l'impact, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup. C'est un mot à la mode, c'est un mot qui parle beaucoup plus, peut-être beaucoup plus que l'ISR, qui parfois peut paraître nébuleux. Donc il s'agit de pouvoir bien le définir avant, dans une deuxième partie, de classifier les différents fonds. Parce que quand on est, comme nous, un gestionnaire d'actifs, on a des produits d'investissement et ces produits ont eux-mêmes un impact sur la société, sur les sociétés dans lesquelles il est investi. Les sociétés dans lesquelles il est investi ont eux-mêmes un impact sur l'ensemble des parties prenantes et sur la planète. Il s'agit donc de comprendre la différence d'impact d'un fonds à un autre. Et enfin, on reviendra sur ce qu'on appelle les objectifs du développement durable de l'ONU et quelle contribution un fonds peut-il avoir, et surtout un fonds qui est sur des produits de côté, un fonds peut-il avoir pour ses objectifs du développement durable. Donc l'impact, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une question qui se pose dans le monde entier et auquel un organisme qui s'appelle l'Impact Management Project a proposé de répondre. Et cet organisme a consulté plus de 2000 parties prenantes et praticiens de l'impact investing pour savoir ce qu'on pouvait réellement appeler impact et ce qui ne l'était pas. Ils sont arrivés à une définition qu'on va voir dans un instant. Et cette définition a permis de créer une classification des différentes classes d'actifs qui s'appelle l'ICS pour Impact Classification System, qui est un système de classification mondial et qui s'appuie sur de même un très grand nombre d'institutions reconnues comme l'ONU ou de très grandes banques et des organismes de private equity. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que historiquement, le mot impact investing, donc investissement à impact, a été créé en 2008, donc de façon assez récente. Et surtout, elle vient du monde du private equity. Donc, elle ne vient pas des investissements cotés. Elle vient d'un autre type d'investissement qui a ses propres règles et qui a travaillé ensemble afin d'avoir une définition commune. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'impact? Eh bien, l'impact, c'est le changement d'un résultat causé par une organisation qui autrement n'aurait pas été possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va regarder avant tout un résultat. On va regarder sur qui ce résultat, le résultat de cette activité, va impliquer. Et dans quelle mesure est-ce que les personnes qui vont voir leur vie s'améliorer grâce au résultat, grâce à l'activité de l'entreprise, vont être des personnes qui seraient défavorisées ou qui autrement n'auraient pas pu avoir accès à ce service. Ensuite, on va regarder, bien sûr, combien de personnes sont touchées, quel est le degré de changement et en combien de temps cela peut-il arriver. Et un point qui est très important dans l'impact, c'est de savoir si ce changement qui arrive, si cette évolution positive qui influe sur les populations
ou sur la planète tire bien sa source des activités de l'entreprise. Ou si l'entreprise n'avait pas été là, de toute façon, ça se serait passé de la même façon. Donc, quand on parle d'impact, on parle bien du fait que l'activité d'une entreprise va changer la vie ou va changer ce qui se passe sur la planète. Et donc, il va y avoir un réel changement dans le quotidien de populations et potentiellement de milliers ou de millions de personnes. Attention, cet impact peut être positif, mais il peut également être négatif. Concrètement, en quoi est-ce que cette définition de l'impact, donc qui est bien un impact extra-financier, est différente de ce qu'on peut appeler des critères ESG, ou environnement, social et gouvernance? Dans les deux cas, on parle d'indicateurs, de données extra-financières, donc de tout ce qu'on ne va pas voir dans les comptes traditionnellement des entreprises. Mais, dans un premier cas, ces données ESG sont des données qu'on va appeler des données d'effort, c'est-à-dire des données qui vont montrer quel est l'effort que l'entreprise va pouvoir faire pour améliorer sa situation et quelle est la performance extra-financière de cette entreprise. Mais pour y arriver, pour montrer ce que l'entreprise fait et quels sont ses impacts extra-financiers, elle va pouvoir parler des différentes politiques qu'elle met en place, des moyens et des résultats auxquels elle arrive. Prenons, pour illustrer cela, le quatrième objectif du développement durable de l'ONU. Peut-être en introduction, sachez que l'ONU a défini en 2015 17 objectifs du développement durable à horizon 2030, que l'ensemble des pays et l'ensemble de la planète devraient arriver pour améliorer la condition de l'ensemble de la population de la planète et la condition également de notre planète. Ce sont donc des objectifs précis, mesurables. Ces 17 objectifs se déclinent en plus de 274 KPI extrêmement précis, rigoureux, co-définis avec des ONG et qui ont pour but réellement d'améliorer la situation à la fois des plus démunis et de préserver notre planète. Donc, l'objectif 4, c'est d'avoir une éducation de qualité. Si on prend des données ESG publiées par la plupart des entreprises à l'heure actuelle sur la qualité d'éducation, une première façon de le voir va être de regarder la politique de formation. Et effectivement, comment est-ce qu'une société forme ses salariés? Donc, est-ce qu'elle a mis en place une politique ou non? Quels sont les moyens qu'elle a mis en œuvre pour cette politique? Par exemple, combien elles dépensent, combien d'heures les employés ont dépensé dans la formation, et in fine, quel est le pourcentage de sa masse salariale, quel est le nombre d'employés que l'entreprise a pu former. Le problème, c'est qu'avec ce type de données, souvent, il y a de nombreux biais. Mettre en place une politique de formation ne veut pas dire que cette formation sera de qualité. On ne regarde nullement quels sont les types de personnels qui ont été formés et si les personnes qui ont été formées sont bien celles qui en ont eu besoin. Donc, en ne regardant que des données ESG, en caricaturant un petit peu, on arrive parfois à mesurer des choses qui ne sont pas en ligne avec ce quatrième objectif de l'ONU. Parce qu'en fait, certes, il y aura une politique de formation, certes, le budget formation sera important et il y aura de nombreux employés qui seront formés. Le biais qu'on voit souvent, c'est que les employés qui sont formés sont ceux qui sont déjà les plus formés, donc en particulier les cadres, les cols blancs et les cadres dirigeants. Et ça arrive, et ça ne fait en fait finalement que renforcer des biais au lieu d'essayer d'aller contre ces biais et donc de bénéficier aux personnes les plus démunies. Au contraire, si on regarde les données d'impact qui ont pour but d'aller dans le sens de ce quatrième objectif des Nations Unies, eh bien, il faudrait connaître le minimum des niveaux de formation de départ, le niveau de formation in fine, quel est le type de population qui est atteint, et si jamais l'entreprise n'avait pas réalisé ses formations, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, on voit bien qu'on ne regarde pas la même chose et qu'il y a un risque assez important, regarder ces données ESG, c'est très bien,
mais ça n'a pas forcément la même finalité que ce qu'on cherche quand on veut avoir des données d'impact avec pour but de contribuer à la réalisation des objectifs de l'ONU. Ensuite, effectivement, si on continue sur la différence entre l'ESG et l'impact, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'ESG, on parle de données extra-financières, mais souvent, on arrive à ce qu'on appelle des ratings, c'est-à-dire des notes A, B, C, D, E, F, qui donnent un avis sur l'entreprise. Alors, ce type de rating, c'est plaisant parce que c'est facilement utilisable. On a un avis très simple sur une entreprise et c'est un scoring unique, simple, qui fait sens, très pratique en termes d'investissement puisqu'on va pouvoir se dire qu'on investit que dans les entreprises qui sont A et qu'on exclut toutes celles qui sont F. C'est formidable, mais les conclusions de l'Impact Management Project, donc de ces 2000 praticiens de l'Impact Investment qui sont sur le terrain pour essayer d'améliorer la situation des entreprises via l'investissement, nous dit que il faut faire très attention car ces ratings sont souvent opaques, qu'ils ne sont pas consistants les uns avec les autres entre les différentes agences qui émettent, qui font ces ratings et souvent elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions et que finalement ce ne sont pas des données d'impact, que ce n'est pas par un rating ESG qu'on va pouvoir savoir si l'entreprise a un impact positif ou non. Et l'IMP recommande qu'il ne soit utilisé que pour supporter une analyse qui serait d'agir pour ne pas faire de mal, c'est-à-dire simplement limiter les effets négatifs et non pas pour essayer de flaguer des effets positifs. Alors, chez Trusteam, qu'est-ce qu'on fait? À l'heure actuelle, ce qu'on vous propose et ce que vous pouvez voir sur le site et qu'on vous donne très régulièrement, ce sont des rapports de performance. Les termes ont évolué petit à petit puisque même dans le référentiel du label ISR, historiquement, on parlait de rapport d'impact. Mais vous voyez bien, d'après ce que je vous ai montré précédemment, qu'il ne s'agit pas forcément d'impact, mais qu'il s'agit bien de performance sur des données extra-financières. Donc, nos différents rapports, vous retrouverez dans tous nos rapports mensuels, à la fin, une partie consacrée à la performance extra-financière. Vous retrouverez des métriques qui sont liées aux objectifs du développement durable. Par exemple, si on prend l'objectif 13, qui est avoir une action positive sur le climat, eh bien, vous retrouverez dans nos rapports les émissions CO2 de nos fonds par rapport à leur benchmark. Et un des objectifs extra-financiers qu'ont tous nos fonds, c'est d'avoir une performance extra-financière qui soit meilleure que celle de leur benchmark. Et ça, vous pouvez le regarder, le voir sur nos reporting extra-financiers. Maintenant, vous voyez bien que c'est assez... Et cette performance, d'ailleurs, est assez positive puisque nous avons très largement une majorité de tous ces indicateurs ESG qui sont supérieurs à ceux de leur benchmark. OK, ça vous donne une image. Maintenant, est-ce que pour autant, cela reflète l'impact direct qu'ont les entreprises sur les objectifs du développement durable? Eh bien, vous voyez qu'il y a un certain fossé sur lequel nous avons essayé de travailler. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés à cette classification des différents types d'actifs en fonction de leur impact, ce qu'on appelle des impact classes. Alors, comment fonctionne cette classification? Eh bien, c'est une matrice. Vous allez retrouver en abscisse les différents types d'impact des sous-jacents, c'est-à-dire des entreprises qu'il y a en portefeuille, et vous aurez par ailleurs en ordonnée la contribution des investissements. On y reviendra après. Pour l'instant, regardons quel est l'impact des actifs sous-jacents. Quels sont les grands types d'impact que l'on peut avoir? Eh bien, l'IMP, donc l'Impact Management Project, ce groupe d'investisseurs de 2000 personnes partout dans le monde qui travaillent vraiment sur l'impact, est arrivé à un consensus où les différents types d'actifs de sociétés sous-jacentes peuvent avoir finalement quatre types d'impact. Soit, potentiellement, elles ne
font pas de mal. Mais pour dire cela, il faut déjà avoir analysé la société et en être sûr. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle pourrait faire du mal. Donc, may cause harm. Okay. C'est les deux colonnes que vous avez à gauche. Pour qu'elle ne fasse pas de mal, on arrive sur la première classe d'actifs, il faut agir pour éviter de faire du mal et d'avoir un impact négatif. Donc c'est le A. Act to avoid harm. On prévient donc et on réduit les effets négatifs, à la fois pour la personne et pour la planète. Sur ce type d'impact, une initiative qui est la plupart du temps, qui est très largement, enfin, qui est de plus en plus prisée par les entreprises, est par exemple celle de réduire ses émissions de CO2. Prenons l'exemple du CB, qui est une société pharmaceutique qui fait des médicaments pour l'épilepsie et d'autres types de pathologies. Sur la Net Zero Initiative, elle s'engage donc à être zéro carbone à horizon 2050. Et donc, finalement, de ne plus avoir d'impact négatif sur l'environnement. On mesure ici des données d'effort, donc ces données ESG, et on a donc ce focus ESG important. Très bien. Deuxième type d'impact, non seulement on ne fait pas de mal, mais surtout on fait du bien aux parties prenantes. On agit pour générer un résultat positif pour les personnes et la planète. Dans le cas du CB, entreprise pharmaceutique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des médicaments qui vont aider à la vie du patient. Ils ont une stratégie qui s'appelle la patient's qui est la positive patient strategy, qui permet de relier en permanence leurs nouvelles innovations, leurs nouveaux médicaments aux besoins du patient et d'être bien sûr que tout nouveau médicament aura un effet positif pour le patient et qu'il n'est pas seulement là pour faire un nouveau blockbuster. On a donc un indicateur de résultat sur le nombre de patients traités et on sait qui on traite. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si l'ensemble de ces patients auraient pu avoir avoir accès à ces médicaments si UCB n'avait pas été là. Donc vous voyez là qu'on arrive sur un troisième type d'impact qui est agir pour un bénéfice positif, mais sur des personnes qui autrement auraient été mal desservies. C'est-à-dire que, et là on arrive sur une donnée d'impact, quelle est la contribution? Quelle est la différence entre le fait qu'une entreprise et le fait qu'une entreprise existe, qu'elle ait une activité et qu'elle n'existe pas? Si UCB n'était pas là, est-ce que ces patients pourraient se traiter de la même façon? Et surtout, au sein des patients qui ont accès aux médicaments UCB, lesquels y ont réellement accès parce que UCB a une action proactive pour donner accès de façon assez large à ces médicaments? Et là-dessus, il y a une initiative qui s'appelle l'Access Medicine Index qui permet de regarder quelles sont les actions d'accès aux médicaments menées par les entreprises pharmaceutiques. Et là-dessus, l'objectif du développement durable numéro 3, que vous voyez, en fait, est assez intéressant parce que quels sont les patients ou quelle est la partie de l'activité du CB que l'on doit classifier dans cette ODD, dans cet objectif du développement durable. Est-ce que c'est l'ensemble des patients qui traitent du CB ou est-ce que ce ne sont que des patients pour lesquels UCB a eu une réelle contribution positive? C'est-à-dire, si UCB n'avait pas été là, est-ce qu'ils auraient pu avoir accès aux médicaments? Et sur ces points, eh bien, pour l'instant, je dois vous avouer que cela reste assez flou et que UCB nous a promis de publier dans son rapport 2020 des données spécifiques sur le sujet. Donc, en résumé,
pour cette première partie, pour connaître l'impact d'une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On se demande d'abord s'il y a un impact négatif et si l'entreprise agit pour minimiser ces impacts négatifs. Est-ce que c'est le cas ou non? Si ce n'est pas le cas, elle peut avoir un effet négatif. Ensuite, est-ce qu'elle agit pour avoir un effet positif à partir de ses activités? Si ce n'est pas le cas, eh bien, elle ne fait qu'elle est dans la catégorie A, act to have a harm. Si elle a un effet, si elle agit pour avoir un effet positif, est-ce que les solutions qu'elle propose contribuent à résoudre des problématiques spécifiques sur des publics mal desservis ou par rapport à des solutions qui n'existent pas avant et donc à créer de nouveaux marchés? Sinon, elle bénéficie aux parties prenantes, donc elle est dans la catégorie B, et sinon, eh bien, elle contribue au résultat, elle est dans la catégorie C. Une fois qu'on a classifié l'ensemble des sociétés sous-jacentes au fond, on va pouvoir regarder ce que fait l'investisseur. Et là, quel est l'impact, la contribution de l'investisseur à améliorer la société? Dans un premier temps, on peut simplement signaler que l'impact est important. Signaler que prendre en compte des données ESG, c'est important et que ça rentre en compte dans le process d'investissement. C'est ce qui est fait par l'ensemble des sociétés de gestion qui sont signataires des principes pour l'investissement responsable, qui disent qu'elles veulent faire de l'investissement responsable. C'est déjà un signe important puisque elle montre à l'ensemble des entreprises que regarder ces aspects extra-financiers est quelque chose de très important et qu'il faut qu'elles publient de meilleures données, de meilleure qualité, et qu'il faut qu'elles agissent aussi à avoir un impact positif sur la société. Très bien, c'est un signal, une première étape. Mais on peut faire mieux. On peut s'engager avec les entreprises parce qu'on les connaît et que du coup, on peut leur essayer de promouvoir les meilleures pratiques. Pas seulement leur demander des données, mais surtout essayer qu'elles changent leur façon de faire ou au moins les aider à trouver de meilleures solutions, à agir au mieux. Chez Trusteam, c'est quelque chose que l'on fait historiquement dans le domaine de la satisfaction client via le prix Excellence Client que nous avons co-créé avec Ipsos et l'Académie du Service pour récompenser les entreprises qui réussissent en prenant soin de leurs employés et de leurs clients. Tous les ans, depuis plus de 4 ans, on remet à une dizaine d'entreprises lauréates un prix, le prix Excellence Client, pour leur montrer qu'elles vont dans le bon sens et surtout montrer à toutes les autres que c'est possible. Autre domaine d'action dans lequel nous sommes présents, le Climate Action 100+. C'est une coalition d'investisseurs internationaux qui regroupe près d'un tiers des actifs sous gestion dans le monde et qui a décidé d'interpeller les entreprises les plus polluantes au monde, cotées, qui représentent près de 75% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Pour faire quoi? Pour leur demander de changer. Et leur demander d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Évidemment, on leur demande aussi plus d'informations, mais on essaye de les pousser à ce qu'ils changent leurs pratiques pour le bien commun. Donc l'investissement là-dessus est actif, deuxième catégorie. Ensuite, il y a des choses que nous ne faisons pas chez Trusteam. Par exemple, le fait d'être impliqué sur des marchés qui sont sous-capitalisés. C'est par exemple le cas souvent de fonds de private equity qui vont investir dans la microfinance ou dans des marchés beaucoup plus risqués, beaucoup plus petits et où le fait d'apporter, qui vont apporter des capitaux supplémentaires qui autrement n'existeraient pas. Et enfin, il y a un dernier type d'investissement où là, l'investisseur est d'accord pour être rémunéré moins et donc gagner moins et minorer sa performance financière au profit des entreprises dans lesquelles elle investit. C'est par exemple le cas de l'initiative Time for the Planet, où les investisseurs savent qu'au mieux, ils retrouveront leur argent, mais que ce n'est pas du tout certain. Enfin, bien sûr, ce n'est pas certain dans notre actif non plus, mais là, c'est une démarche volontaire où les investisseurs sont prêts à renoncer à une partie de leur performance financière afin de financer certains types de projets très risqués. Au final, donc avec un axe des abscisses, un axe des ordonnées, on arrive à une matrice où on peut classifier les différents types de fonds. Donc A, B, C,
agir pour éviter le mal, bénéficier aux stakeholders ou contribuer aux solutions, et soit signaler les impacts, s'engager activement, etc. Remarquez d'ailleurs qu'il y a 6 classes d'actifs à gauche et pas seulement 4, parce qu'on peut très bien, par exemple, signaler que l'impact a de l'importance et renoncer à une partie de sa performance financière, comme c'est le cas par exemple dans les fonds solidaires, et par contre ne pas s'engager avec les entreprises. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a 6 classes d'actifs. À l'heure actuelle, nous avons commencé l'exercice de classifier ces fonds sur deux de nos principaux fonds, qui sont Trusteam Optimum et Trusteam Rock. On arrive pour Trusteam Optimum à une classification entre A2 et B2, c'est-à-dire qu'on s'engage avec les entreprises en portefeuille, mais pour certaines, elles sont là, elles font simplement du Act to Avoid Harm, et pour d'autres, elles bénéficient à l'ensemble des parties prenantes. Quant à Trusteam Rock, on est plutôt entre B2 et C2, c'est-à-dire qu'on soit on bénéficie aux parties prenantes, soit on contribue aux solutions. Voilà, cette petite matrice. Maintenant, comment est-ce que on passe à une contribution au développement durable? Est-ce qu'on peut le quantifier? Parce que ça serait quand même super bien de pouvoir se dire: ah ouais, mon portefeuille contribue à 43% aux objectifs du développement durable. Ça serait très bien. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, avec plus ou moins de précision et de rigueur, c'est d'essayer de comprendre donc comment chaque entreprise contribue aux objectifs du développement durable. Nous l'avons déjà vu sur ICB, sur l'objectif du développement durable numéro 3, qui est sur la santé. Donc, UCB permet, grâce à sa patient value strategy, de traiter 3,5 millions de patients en 2019. Cette stratégie permet d'avoir un pricing juste et accessible, donc on peut le classifier dans l'ODD numéro 3 raisonnablement. Il y a d'autres entreprises qui sont très intéressantes, comme Etsy. Etsy, c'est une place de marché de produits artisanaux. Donc, c'est une espèce d'Amazon pour les produits... pour, je sais pas, par exemple, les masques fabriqués chez vous avec une machine à coudre. Eh bien, Etsy a pour objectif que 50% des produits vendus sur sa plateforme soient faits par des PME, donc des petites entreprises qui sont dirigées par des femmes, des minorités ou des vétérans. C'est une entreprise américaine et qui veut en fait donner accès à plus de liberté financière et un travail décent grâce à son activité, en permettant à des femmes, à des minorités ethniques, à des gens qui autrement auraient de la difficulté à avoir accès à une activité rémunérée de qualité, à avoir accès plus facilement à des clients. Donc on peut dire raisonnablement que son objectif, c'est de générer 1,3 milliard de dollars d'entreprise pour ces personnes qui autrement n'auraient pas forcément accès à des clients. Donc là-dessus, on a une contribution directe aux objectifs du développement durable 8.3 sur un travail décent et 5.1 sur l'égalité, sur gender equality, sur l'égalité des sexes. Et c'est donc directement lié à des objectifs précis mis en évidence par des ONG. Troisième exemple, Vestas qui fabrique des éoliennes, donc qui directement a un impact positif sur l'objectif du développement durable 7, qui est d'avoir une énergie propre et accessible pour un maximum de personnes, et 13, donc la réduction positive pour le climat. Parce qu'effectivement, quand on met des éoliennes, c'est de l'électricité électrique, de l'énergie électrique qui n'est pas produite avec des énergies fossiles. Et on estime que depuis sa création, enfin que Vestas opère à l'heure actuelle 108 gigawatts d'éoliennes dans le monde, dans 82 pays. Et en fait, ces 108 gigawatts d'éoliennes, c'est quoi? C'est l'équivalent de 180 centrales à charbon, soit 1,3 milliard de tonnes de CO2 évitées. Donc 1,3
un gigaton, sachant que, en gros, pour avoir ça en tête, on produit dans les 40 à 50 gigatonnes de CO2 par an. Donc, c'est assez significatif. Après, si on agrégeait l'ensemble de ces pourcentages sur un portefeuille, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait quelque chose d'assez intéressant à regarder, de beaucoup plus simple, mais qui, malheureusement, pour l'instant, nous trouvons qu'il y a de nombreuses limites méthodologiques. L'idée serait de pouvoir agréger, effectivement, en fonction du pourcentage qu'on a en portefeuille, de dire, en Vestas, à 100% de son chiffre d'affaires qui est lié à l'ODD 7, peut-être que Schneider a 50% ou 33% de son portefeuille qui est lié à l'ODD 7 également, eh bien, on pourrait avoir 75%, si on avait 50% Schneider, 50% Vestas dans sa portefeuille, 75% du portefeuille qui serait lié à l'ODD 7. Malheureusement, à l'heure actuelle, au vu de la qualité des données que nous avons, au vu de la qualité des données de prestataires externes que nous avons consultées, on ne trouve pas ça très robuste. Et donc, on a listé un certain nombre de limites méthodologiques. Effectivement, parce que ces métriques ne sont pas forcément des métriques d'impact, d'une société à l'autre, ce n'est pas la même chose. Où est-ce qu'on qualifie, comment est-ce que, on quantifie, par exemple, dans la santé, ce qui est de l'accès aux médicaments réellement au D3 versus simplement un patient qui est traité et qui pourrait être traité par ailleurs, par exemple par un générique, donc même moins cher. Sur les banques aussi, il y a de grosses limitations parce que certains fournisseurs de données considèrent que 100% de l'activité d'une banque est liée à la réduction de la pauvreté. Bon, certes, ça pourrait être le cas, mais pas sûr que... voilà, intuitivement, c'est quand même un peu compliqué à justifier. Donc, on manque de granularité encore dans les chiffres. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on préfère malheureusement ne pas vous montrer les résultats de cette analyse qu'on a faite, que vous pourrez voir chez certains de nos concurrents qui ont sans doute réussi à aller au-delà de ces limites méthodologiques. Nous continuerons à travailler là-dessus. Mais en fait, dans les prochaines étapes, d'abord, ce que vous assurez, c'est au fur et à mesure de ce premier semestre de réussir à classifier l'ensemble de la gamme de Trust Team sur la plateforme Impact Alliance qui est en ligne. Vous pouvez aller voir impactalliance.com. Et ce qui nous donnera une première vision de là où se trouvent nos fonds actuellement, les fonds dans lesquels vous êtes investis, par rapport à la matrice que je vous ai montrée et qui est la matrice de référence dans le monde de l'impact. Pour savoir quel est l'impact d'un actif sur la planète et sur les populations. On pourra avoir donc cette répartition ABC versus la contribution, donc A1, B2, etc. On pourra aussi avoir une idée de là où se situe, sur quels objectifs de développement durable le fonds se situe. Et nous allons communiquer là-dessus dans les prochaines semaines, fond par fond, et vous expliquer plus en détail pourquoi, donner des exemples, des illustrations, etc. Ce que l'on va faire aussi, puisque ce premier webinaire n'est que le premier de tout un cycle que nous allons faire sur l'impact, nous allons revenir sur d'autres points que j'ai commencé à aborder, comme le do not harm, c'est-à-dire, eh bien, pour qu'un fonds ne fasse pas de mal, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les risques extra-financiers liés et comment est-ce qu'on peut s'assurer de façon raisonnable que les entreprises qu'on a en portefeuille n'ont pas un impact négatif plutôt qu'un impact positif. Un impact positif, ensuite, qu'est-ce que c'est? Et chez Trust Team, nous pensons que le réel impact positif, c'est celui qu'a le client, hein, et que c'est toujours vers le client qu'il faut se tourner et qu'on a une chance extraordinaire dans cette société, c'est que depuis plus de 10 ans, on a recueilli des données sur le client et que ces données sont réellement des données d'impact reconnues dans les référentiels impact comme étant une donnée d'impact. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. S'engager, j'ai commencé à en parler avec le prix Excellence Client de Seven Climate, aller au-delà du client. Effectivement, parce qu'il y a des publics pour lesquels vous voyez qu'on peut agir, une entreprise peut agir en agissant sur ses clients. Mais il y a d'autres domaines où il faut aller au-delà du client.
ou simplement on est face à des publics qui ne seront pas des clients. Alors comment on fait si on veut avoir un impact? Ben, il faut passer sur d'autres types de solutions comme les fondations, par exemple ce que fait Mylène Hameau, et les parts de partage que nous avons sur tous nos fonds. Et enfin, eh bien, de façon plus large, les gestions des mandats ISR, puisqu'on peut aussi appliquer ce qu'on a vu en interne à sélectionner quelques fonds, voire et pouvoir vous donner à vous un petit panorama de ce qui se fait actuellement sur le marché. J'ai beaucoup parlé, ça fait maintenant 34 minutes que je parle, je suis ravie. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, je suis ravie de pouvoir y répondre. Vous avez un petit module de conversation pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est dans Converser. Vous pouvez également lever la main ou prendre la parole. Et je vous donnerai la parole pour pouvoir vous adresser vos questions. Et je serai ravie de pouvoir y répondre. Question. Mesdames, pour ça je vous ai tous endormis. Alors, j'ai une question. J'ai une question qui arrive. Pourquoi est-ce que la satisfaction client est bien une donnée d'impact? Excellente question. Si on revient à la différence entre des données ESG et des données d'impact, ici, une donnée d'impact, est-ce que la satisfaction client, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, au lieu de la formation, ici, ce qui est intéressant, c'est que la satisfaction client, ça peut s'appliquer en fait à tous les ODD. Parce que ce qui compte, c'est un client est satisfait quand il a une attente qu'un produit ou un service fait par l'entreprise, qui est répondu par un service ou un produit fait de l'entreprise. Donc, ça peut être pour un peu n'importe quel type d'attente et sur tous les ODD. Cette attente peut être, par exemple, de produire de l'électricité verte pour le coût le moins cher possible. Ça peut être de ne plus avoir de crise d'épilepsie. Simplement, ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est si la promesse qui est faite par l'entreprise est bien atteinte. Est-ce que le résultat est vraiment là? Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à analyser ce que l'entreprise fait pour y arriver. Non, ce qui compte, c'est ce que ça fait pour le client. Un seuil minimum, on peut bien l'avoir, puisqu'on peut avoir le seuil minimum à partir desquels on considère que l'entreprise fait son job en termes de satisfaction. C'est vrai qu'historiquement, c'était autour de 80%. Donc, pour être, le niveau de départ, le niveau de satisfaction, on sait bien quel était le niveau à la base sur un secteur. Si l'entreprise n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Quand l'entreprise est là, qu'est-ce que ça donne? Donc, on voit le niveau de départ, l'amélioration, la contribution, l'échelle. Bah oui, parce qu'en fait, une société qui satisfait à 50% de ses clients, c'est pas suffisant. Le niveau d'amélioration qu'il faut avoir, la durée dans le temps, l'évolution. En fait, toutes ces données, on les a dans notre base, et on peut le faire société par société pour comprendre comment est-ce qu'une entreprise va réellement impacter ses clients, la planète, etc. Donc, c'est un chapeau à partir desquels on va pouvoir creuser et comprendre l'activité par activité. Autre question, y a-t-il des secteurs plus vertueux que d'autres? Alors, il y a des secteurs, si on prend, là je vais aller plutôt sur la matrice, sur les classifications d'impact.
D'abord, ce qu'on demande, c'est de ne pas causer de mal. Et sur ça, eh bien, il y a malheureusement certains secteurs sur lesquels il y a un risque plus important que pour d'autres de causer du mal. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains secteurs que nous préférons exclure, dans les énergies fossiles, par exemple. Une entreprise qui fait à l'heure actuelle du charbon, il y a un risque important qu'elle cause du mal à la planète. Donc, et que sa activité soit directement liée au réchauffement climatique. Au contraire, une activité dans la santé, effectivement, aura plutôt une activité positive. Encore faut-il comprendre si effectivement elle bénéficie aux parties prenantes ou si elle est réellement contributrice à la solution. Mais attention, parfois on peut avoir des effets pervers parce que une entreprise peut être une entreprise de la santé, mais avoir un pricing trop important et effectivement essayer de privilégier sa marge à court terme au détriment de ses clients. Et donc essayer de retirer la couverture à elle, et donc finalement bénéficier assez peu aux patients et beaucoup plus à d'autres types de parties prenantes. Donc attention, au sein d'un même secteur, auquel on pourrait croire plus vertueux, il faut bien faire la différence entre une entreprise ou une autre. De même, on parle beaucoup, par exemple, des voitures électriques. D'un fabricant à l'autre, sur par exemple où sont faites les batteries, ou comment sont électrifiés les véhicules, comment il peut y avoir un bénéfice positif à court terme sur des émissions de gaz à effet de serre, mais si on prend d'autres types de parties prenantes comme les fournisseurs ou les personnes qui travaillent chez les fournisseurs dans les mines de cobalt, ça peut être plus compliqué. Donc il peut y avoir un impact négatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer à l'intérieur, qu'on ne peut pas rester à l'intérieur d'un secteur, qu'il faut regarder à l'intérieur des sociétés et des pratiques des sociétés. Autre exemple, même sur deux entreprises pareilles, par exemple Air Liquide qui est éligible et Linde qui n'est pas dans les gaz industriels, si on regarde simplement leurs produits, on pourrait dire l'impact des deux entreprises est égal. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a frappé chez certains fournisseurs de données, c'est qu'on avait la même note d'impact pour les deux sociétés. Alors quand on regarde ce qu'elles font, à quel client elles s'adressent et pourquoi elles le font, ça n'a rien à voir. En particulier, par exemple, Air Liquide refuse certains contrats et refuse d'aller dans certaines géographies, sur certains marchés, parce que ça pourrait causer du mal, parce que ça serait dans la catégorie make us harm. Et qu'au contraire, ce qu'elle veut, c'est trouver des solutions, contribuer à être une part de solution. Linde, par contre, ou d'autres de ses compétiteurs, vont avoir le même type de produits, mais vont dire, mais vont y aller, et donc vont avoir un impact négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu plus granulaire dans les cas. Ensuite, alors question d'après, comment situez-vous par rapport aux compétiteurs? Alors, est-ce que c'est Eduardo qui nous a posé ces questions? C'est peut-être donner la parole, peut-être parce que j'aurais besoin d'une précision, c'est à quel niveau, c'est par rapport aux autres types de sociétés de gestion peut-être? En ligne. Alors, par rapport aux compétiteurs, si on parle d'autres sociétés de... Oui, voilà, merci. Par rapport aux autres sociétés de gestion, en fait, il y a une centaine de fonds qui sont référencés dans cette matrice et sur l'ICS. En fait, le site a été mis en ligne en novembre. Donc, sur cette classification-là, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que la plupart des fonds dits ISR, prenant en compte des impacts ESG, comme on le voit sur cette matrice-là, vont travailler sur la partie Act to Avoid Harm. Le focus ESG, il est sur la partie A. C'est compliqué d'aller prouver du B, de faire du B ou du C. Si je reviens sur cette matrice-là. Donc, beaucoup de nos compétiteurs sur les labels ISR vont être là, voire même vont être souvent par là. Parce que faire de l'engagement et prouver que cet engagement a un réel impact, il ne s'agit pas seulement de montrer, de dire qu'on a signé
on a signé une lettre dans un coin. Quoi. Enfin, c'est se dire, si l'investisseur n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Et là-dessus, c'est-à-dire qu'on va trouver tous les fonds, beaucoup de fonds ISR qui vont être par là, un peu ici, des approches innovantes qui vont être là, un peu là, mais à voir ce qui se passe, mais c'est mais bon, on peut dire que l'ISR sera plutôt par là. En A1, ce que font nos compétiteurs, ce que vous pourrez voir souvent, ce sont ce genre de choses que je ne vous ai pas montré. Pourquoi ? Parce que, en fait, on peut très bien se situer en A1, ici, dire bon, on agit. Vu la granularité des données, est-ce qu'on est sûr que ces sociétés, que les données qu'on a à notre disposition vont pouvoir permettre de se classifier comme contribuant réellement aux solutions. Le sérieux et la rigueur des données est assez compliqué. Quoi. Alors, j'ai plein de questions. Une société comme Tesla, comment est-elle notée en termes d'impact ? Pollution par les batteries et moins d'émissions de CO2. Effectivement, j'ai pas la solution ici, mais la façon d'analyser, c'est de se dire, de prendre type d'impact vers type d'impact, se dire où est-ce qu'elle se situe. Sur les émissions de CO2, par exemple, dans sa propre activité, c'est de l'ActiveVoid Arm, mais c'est vrai qu'elle contribue à une solution. Donc, sur cet objectif-là, on va être dans une catégorie. Après, comme je l'évoquais sur les fournisseurs, si on remonte en amont la chaîne de valeur dans les différents types de parties prenantes, parce que Benefit Stakeholders, c'est l'ensemble des parties prenantes, donc il y a les fournisseurs, et en particulier la façon dont les batteries sont faites, eh bien, si elle ne fait rien et qu'elle ne contrôle pas, elle peut causer quelque chose. Il faudrait analyser Tesla pour savoir comment est-ce qu'elle travaille avec ses fournisseurs, comment est-ce qu'elle va pouvoir s'assurer que le cobalt est sourcé de façon responsable et agir pour que la situation de ses fournisseurs soit potentiellement meilleure. Donc en fait, c'est impact par impact. Qu'on doit classifier et savoir où se trouve la société. Voir, en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on décompose par ODD. Je vais quand même revenir là-dessus. On décompose par ODD. Quel est l'impact là, au lieu d'avoir, par exemple, Prostim Optimum, on aurait une société. Et on essaie de comprendre quel est, si là, c'est du. C'est ABC et dans. Quelle est dans quelle mesure est-ce que ça se situe ici ou là, et que c'est positif ou négatif. Donc c'est assez, c'est vrai que c'est un travail qui est assez complexe. Ensuite, sur la réglementation, évolue-t-elle ainsi assez rapidement pour favoriser les obligations de communication et la prise de décision des entreprises? Alors, la réglementation. Effectivement, on est en plein dans un espèce de chamboulement de réglementation européenne dans la réglementation européenne qui est actuellement en discussion, qui n'est pas terminée, il y aura des arbitrages qui vont être rendus en mars 2021. Il y a cette volonté de différencier les fonds entre ceux qui vont simplement agir pour éviter de faire du mal et ceux qui vont réellement contribuer aux solutions. Il y a de nombreuses discussions, mais c'est une réelle volonté du régulateur d'essayer de différencier les types de fonds. Surtout, alors c'est beaucoup le cas dans d'autres pays que le nôtre. Nous, on est un peu en France, c'est un peu différent, il y a une très forte volonté au niveau européen de pouvoir différencier ces types de fonds et de pouvoir agir là-dessus et surtout d'éviter effectivement l'impact washing. Et c'est pour ça que quand je vous présente un pourcentage de chiffre d'affaires ou une contribution aux ODD, chez Trostim, on n'est pas à l'aise.
parce que y a de nombreuses limitations derrière, quoi. Et d'ailleurs, l'AMF a commencé à sévir, ou en tout cas à être beaucoup plus attentive, pour faire que l'information qui est transmise au porteur ne soit pas une information trompeuse. Et dire que parce que j'investis dans telle entreprise, je contribue à, par exemple, j'investis dans FCB, du coup, 1 million d'euros investis chez nous permet de traiter 40 000 patients. Voilà. Non, investir 1 million d'euros dans une entreprise qui est sur du secondaire, ça ne permet pas de guérir des patients. Ça, c'est une information qui est, attention, qu'il faut faire très. Enfin, ce n'est pas le cas. Par contre, alors que, je vous permets de le dire, investir dans les parts de partage chez Trusteam, ça permet de financer X nouvelles familles qui pourront être accompagnées par mille et un mots. Ça, oui, parce qu'une partie des frais de gestion qu'on verse à mille et un mots via les parts de partage va être directement utilisée pour financer un programme d'accès à l'éducation de mille et un mots. Voilà. Là, oui. Ensuite, peut-on recevoir la copie des slides? Bien, écoutez, effectivement, il est 10h54. C'est une excellente question. Ça va vous permettre peut-être de clore le webinaire. Oui, vous recevrez la copie des slides par email. Je pense en début d'après-midi. Nous allons également pouvoir mettre ce webinaire en replay sur notre site avec les slides et une explication, un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit pendant cette heure ensemble. Est-ce que j'étais claire ou est-ce que vous avez encore des questions? Eh bien, écoutez, merci à vous, parce que je suis ravie d'avoir pu vous parler pendant près d'une heure de l'impact, de voir qu'il y avait autant d'interactions, de questions, et que c'est un sujet qui a l'air également passionné, qui est un sujet qui est ardu, complexe, sur lequel il faut en comprendre les limites, mais aussi les pistes d'amélioration. Et je suis donc ravie de pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines avec petit à petit la classification de Moufou et les prochains webinars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour Trusteam Impact.